allez très bien, que vous êtes en forme. J'espère qu'une fois de plus, on va encore bien s'amuser durant cette séance. Du coup, avec Cam, vous étiez de nouveau en cardio-abdo hier, donc j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que c'était pas trop dur, même si bon, je pense que ça devait l'être, hein, voilà. Ami, il est jamais très tendre au niveau cardio. Aujourd'hui, on va partir sur un full body. Ça faisait longtemps, enfin, ça faisait un petit moment, c'est plus comme l'année, alors on l'avait pas refait depuis le début du confinement, donc tout. C'est reparti, full body numéro 3. On va travailler un petit peu de tout, il y aura un petit peu de cardio, haut du corps, bas du corps, d'accord. Là pour le coup, c'est un entraînement assez complet. Ok. Donc, du coup, niveau matériel, c'est assez basique ce qu'il faut. Deux grosses bouteilles comme ça, deux petites bouteilles, si vous avez, c'est top. Si possible, un pack d'eau, ça c'est pour ceux qui voudront charger un petit peu plus, sinon les deux bouteilles suffiront. Et ensuite, l'élastique en fait, c'est simplement un repère au sol. Bon, quelque chose, vous pouvez utiliser une serviette, hein, ça fonctionne, ok? Simplement un petit repère au sol. Et puis voilà, on n'a rien de plus, les chaises, il n'y a même pas besoin, d'accord? Pas de casserole, juste de l'eau. Du coup, on attaquera sur un bloc de 12 minutes. Ok, bloc de 12 minutes, 3 exercices en 40-20, 4 tours, assez classique, vous commencez si vous avez l'habitude. Donc du coup, on va démarrer ici par des half burpees. Je fais ça des half burpees parce que c'est pas vraiment des burpees complètes, donc du coup on va venir descendre, tac, tac, et remonter juste devant soi, tout le temps fléché sur les jambes. Ok, on descend, tac, hop, et on remonte. Si jamais vous voulez, vous pouvez faire la peau éventuellement, mais par contre pas d'impulsion. On descend, on remonte, juste ici devant soi. Ok. Le deuxième exercice, on va venir faire des abdos. Alors là, on va enlever une bouteille. Tac, on viendra s'allonger au sol. Donc là, on partira en gros jambes tendues ici. Et on va venir en ramener une seule, d'accord, pas assez haute. Les jambes, il ne faut pas qu'elles soient trop basses. Et ensuite, on va venir ramener une seule jambe. Tac, hop, comme ceci. Hop, ici. Ok. Évidemment, comme d'habitude, hein, je mettrai des simplifications, des petites applications pour ceux pour qui c'est trop dur. Le troisième et dernier exercice, ça sera simplement. Hop, ici. De nouveau, donc deux grosses bouteilles. Alors, on partira fléchi sur les jambes, d'accord, et les bras un peu resserrés comme ceci. Et là, tout simplement, on va venir partir sur un écarté serré, on vient élever les bras, puis on repart fléchi. Écarté serré, on repart fléchi. Tac, tac, tac. Ok, donc ça, assez simple, assez basique. Pour ceux pour qui les impulsions ce n'est pas possible, simplement, tac, tac, hop, on est levé. Et ensuite on remet. Ok, et puis voilà. Et on pourra démarrer du coup. Hop. Donc sur ce premier bloc, allez, si vous êtes au chaud, si vous avez le matériel, si vous avez la patate, un petit peu, allez. Vous êtes prêts à vous dépenser? 12 minutes, attention, top, c'est parti! Allez, allons-y! Donc moi, tac, je rajoute une petite pompe, parce que ça fait du bien, hein, finalement, pourquoi pas. Et pour ceux qui mettent un peu trop de temps, voilà, à descendre en pompe, privilégiez vraiment cette remontée, tout en bien gainé au niveau du haut du corps. Hop, le dos droit, tac. Ah, il y a vraiment une rotation qui se fait au niveau du bassin. Ah, allez. Ah, on maintient ça 5 secondes. Hop. Et top, on vient souffler. On se reprend un petit peu. Hop. Et on va s'allonger. On prend sa petite bouteille, enfin sa grosse bouteille. Hop. Allez, attention, on viendra tendre les jambes vers le haut. Et là, une jambe après l'autre. Top, c'est parti. On vient ramener comme ceci. On relève très légèrement les épaules. Hein. Vraiment, c'est assez léger. Les jambes restent encore un peu hautes. Histoire de ne pas venir tirer au niveau des lombaires. On s'accroche comme ça.
On y est presque. Il reste quelques secondes. Et top. On vient souffler. Ok. Nickel. Donc là, on prendra notre deuxième bouteille. On se met en place. Allez, le troisième exercice. On part fléchir. Et top, c'est parti. Là, là. Hop, on va réfléchir. Jusqu'à hauteur d'épaule, hein, les bras. Hein. Voilà, pas plus haut. Ça suffit. Tac. Allez. Voilà, là, on remonte bien la flexion. En resserrant les bras. Allez, on s'accroche comme ça. 5 secondes. Hop, et top. Vous pouvez souffler. Ok, on se reprend un petit peu. Tranquillement. On a fini ce premier tour. Allez, on repartira sur nos petites burpees, nos demi-burpees. Attention. Top, c'est parti. On maintient ça. Nickel. Tout le temps bien fléchi sur les jambes. Voilà. On remonte bien à fond. Allez. Et top. On vient souffler. On se reprend. On peut choper une bouteille. On s'allonge, on se reprend un petit peu au sol. 5 secondes. Allez. Et top, c'est parti. Allons-y, un pied après l'autre. Allez, on maintient ça. Encore 10 secondes maintenant. Allez, on y est presque. Et top. On vient souffler tranquille. On se reprend. Bon. Et ben. On reprend nos deux bouteilles. On aura fait la moitié après celui-là. Allez, et bien top, c'est parti. Allons-y. Allez, comme ça. Allez, on maintient bien. Voilà, vraiment, on vient se défouler un petit peu. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. Vraiment, il faut bouger. Sinon, on va devenir fou. Allez, encore. Et top. On vient souffler tranquille. Ok. On se reprend. On aura le troisième tour maintenant. Allez. Attention. Et top, c'est parti. Allons-y. Allez, faut que ça chauffe autant sur les jambes que sur le haut, là. Thank you.
est presque. Allez, top. On vient souffler tranquille. Oh. Et bien, parfait. Allez, on verra s'allonger. Hop. Avec cette petite bouteille. Ok, on est en place. Et top, c'est parti. Allons-y. Allez, il reste même pas 10 secondes. On pense toujours bien souffler. On s'accroche. Et top. On relâche tranquille. Nickel. N'hésitez pas, voilà. En finissant les abdos, on marque un petit temps d'arrêt tranquille, on garde le dos à plat. On souffle bien. Ça permet de mieux enchaîner encore derrière. Allez, attention. Et top, c'est parti. Allez. Après évidemment, je vous l'ai pas dit, mais c'est logique. Si jamais vous avez des haltères chez vous, des petites haltères qui excèdent 3-5 kg, bien sûr vous pouvez le faire. Après bon, même si vous y arrivez au-delà de 5, c'est top. Il faut vraiment pas perdre en fluidité. Allez, encore un petit peu. Et top. On vient souffler. Et ben, on arrive sur le dernier tour du bloc. Une dernière fois chaque exercice. Allez, si vous êtes chaud, attention, top. C'est parti. Allez, on s'accroche comme ça. Allez, il reste 5 secondes. Et top. On va souffler. Nickel. Et ben, rien de moi. Nickel ça. Allez, on va s'allonger. Hop. Et top, c'est parti. Allons-y. Pensez bien toujours à souffler, d'autant qu'on a un exercice un peu plus cardio juste avant avec les demi-burpees. Donc vraiment, voilà, bien gérer son souffle. Allez, top. On vient souffler tranquillement. Et ben, le petit dernier maintenant. Tac. Bon. Allez, on vient terminer ce bloc. Hop. Attention. Et top, c'est parti. Allez. Voilà. Allez, on s'accroche. On garde toujours le même rythme du début à la fin. Allez, encore. On
On est presque les dernières secondes. Et top. On vient souffler. Tranquillement. Nickel. Buvez un petit coup. On se reprend un peu. Ok, alors, du coup maintenant, on part sur un bloc de 10 minutes. Alors, on aura 5 tours, ok? On se le fera sur les 3 fois 30 secondes d'effort d'affilée, 3 exercices, ok? Puis ensuite 30 secondes de récup, et on enchaîne ça, ok? Donc, vous le ferez bien dans cet ordre précis, c'est-à-dire, on aura besoin de notre pack d'eau, de 2 petites bouteilles. Je prends 2 petites bouteilles, en fait, simplement, c'est pas pour la difficulté, c'est plus pour la prise en main. C'est-à-dire que j'ai essayé avec les grosses. Si vous voulez, vous pouvez essayer avec les grosses, mais vous verrez, c'est bien plus chiant. Enfin, moi, je sais qu'elles sont larges, mes bouteilles, c'est très chiant, en fait, de venir les tenir correctement. Donc, je préfère rester vif, rester rapide avec des petites, au moins c'est froid. Ok? Après, vous voyez, si vous arrivez avec des grosses, aucun souci, bien sûr. Ok? Donc, du coup, avec les petites, on va démarrer par un peu de boxe en shadow. Donc, si vous êtes droitier, d'accord, venez mettre votre pied gauche devant et ensuite on va partir sur des petits mouvements, tac, dynamique, comme ça vers l'avant, d'accord, juste en face de soi pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on pose les bouteilles, on vient prendre le pack d'eau et là, on partira sur un tirage d'eau. Donc là, on vient descendre, hop, au niveau du buste et on va venir tirer le pack d'eau à soi, hop, juste ici. Okay. C'est toujours bien les coudes qui partent vers l'arrière. Ok, le but, si on ne remonte pas, on part pas vers l'avant. C'est vraiment les coudes qui partent vers l'arrière. Ok. Et le troisième, du coup, je vais prendre une serviette. On viendra se mettre, s'allonger sur un tapis. On reprendra nos deux petites bouteilles qui seront à côté. Hop. Là, on vient s'allonger. On va venir écarter les bras. Ok, choper les bouteilles. On va venir lever les jambes comme si on était en parachute. Et là, on garde les bras levés. Et on va juste chercher, hop, des petites élévations, comme ça, bien le haut. Alors, qui est en latéral? Juste ici. Tac. Donc, du coup, gardez bien tout le temps les jambes levées, histoire de venir contracter un petit peu le niveau des fessiers, d'accord? Et travailler un petit peu au niveau du bas du corps également. Pour ceux pour qui c'est trop dur de venir lever avec les bouteilles, partez sur un parachute classique sinon. Les bras un petit peu fléchis. Et on va relever le haut du corps et le bas du corps. Ok? Donc du coup, hop. Allez. Si vous êtes d'attaque, je vais lancer mon timer. Hop. Vous avez tout mis en place. On peut y aller pour 5 tours. Allez, attention. Top, c'est parti. Allons-y. Hop. Donc là, on est dynamique. Vraiment. Pendant 30 secondes. Là, on vient s'énerver un petit peu. On va se défouler. Allez, on envoie fort. Si ça commence au bout d'un moment à vous rayonner ou les épaules, c'est normal. Vraiment, on garde bien le rythme. Bien gainé au niveau du haut du corps. Et top. On vient switcher à tout de suite en position. Et on vient tirer à soi. Allez. Allez, toujours bien le dos droit évidemment, hein. Comme vous voyez, voilà, le dos est droit, pas arrondi. Allez, encore. Et top, on vient s'allonger. Et c'est parti du coup sur des petites élévations.
on relâche tranquillement. Oh, là on se prend nos 30 secondes, nickel. Donc vous avez vu, normalement sur les élévations latérales, là, ça va tirer un petit peu aussi au niveau des trapèzes. Ok, justement, je trouve que c'est bien. Ça va faire travailler les muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de bosser. C'est vraiment un super exercice de gainage. Là, on va se gainer partout, y compris au niveau des jambes. Allez, on vient récupérer ces petites bouteilles. Attention. Et top, c'est parti. Allez, là on repart. Deuxième tour. Allez, bien dynamique. Allez, comme ça. Allez. Allez, le bras droit part jamais plus fort que le bras gauche. Vraiment, on essaie d'équilibrer. Allez, top. On est switché, allons-y. Et ça enchaîne. Tout de suite. Là. Allez, hop. Là, on tient ça. Hop. Et top. On vient switcher, on s'allonge et allons-y. C'est parti. Allez, on s'accroche. Encore, 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 on va tenir. Même si ça brûle. Et top. On se reprend un petit peu. Nickel. Voilà, là, même si ça brûle là-dessus, vraiment, on lâche rien, on lâche rien. On continue. Ok. Allez, on aura le troisième tour. On rattaque dans 5 secondes. Attention. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. Donc là, bien dynamique, toujours. Allons, on va fort. Allez, encore, encore. On s'accroche. On garde le même rythme. Top. Allez, on vient switcher. Et tout de suite, ça repart sur le tirage d'eau. Voilà. On garde vraiment la tête dans l'alignement de la colonne. Allez. On tient ça, on y est presque, et hop, allons-y, on vient s'allonger, hop, et c'est reparti. Allez, encore, 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 encore. Et top. On relâche. Bon, nickel. Et ben. Tac. On se reprend un petit peu. On aura le quatrième tour. Bon, j'espère jusqu'ici ça va. Tout se passe bien. Allez, je mets en place. Attention, et top, c'est parti. Allez, allons-y. On redémarre comme ça. Bien dynamique. C'est bien sur les abdos. Là-dessus. On monte volontairement. Top.
sont bien switchés. Allons-y. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Là, on est bien, on y est presque. Et top! Allez, allons-y. On va s'allonger. Allez, on va terminer ce quatrième tour. Ça. Allez, encore, 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 encore. Stop. Ok. Oh. Nickel. Eh ben, le dernier tour maintenant. Hop. On se reprend tranquille. Ok. Allez, vous êtes chaud? Dernière fois chaque exo. On est en place. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. Très bien dynamique. Toujours. Allez, allez. On s'accroche dernière fois là-dessus. On maintient mon rythme. Allez, top! On relâche, on se reprend. Nickel. Ouais, on s'accroche encore. On va le chercher, on va le chercher. On lâche rien. On reste bien gainé. Et top. Ok. Et ben. Nickel. Super. Terminé pour ce bloc. On se reprend un petit peu. Hop. Impeccable. Du coup. Buvez un petit coup, hein, bien sûr. Et on partira sur autre chose. Alors, hop, là. Oh, allez, on va regarder quand même. Tac, là. Du coup, maintenant, on part sur un bloc de 8 minutes, ok? Donc, sur ce bloc, hop, de 8 minutes, on va bien se le faire sur 2 fois 45 secondes d'effort d'affilée et 30 secondes de recul, ok? Donc, on enchaînera les deux et on aura 4 tours. Donc, pour ces deux exercices, vous allez me faire un gainage... Vous allez me faire, en fait, un gainage écarté serré, ici. Donc, j'ai mis un tapis, c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre un. On va se mettre en gainage ici, donc on part sur un petit gainage écarté serré, et ensuite on tourne, hop, on reste bien gainé juste une ou deux secondes, on repart, 1, 2, hop, et on va chercher ce côté. Ok, donc 1, 2, hop, on va chercher ce côté. Pour ceux pour qui c'est trop dur, je vous montre tout de suite la simplification, ok, parce que c'est assez simple, on viendra juste toucher, toucher, toucher l'épaule, toucher l'épaule, et ensuite on repart. 1, 2, toucher, toucher. Ok. Pour le deuxième exercice, ici, ça sera
Un petit seau. Alors, je vais prendre un pack d'eau, ok. Vous pouvez prendre juste deux bouteilles si vous voulez. Même, je pense que c'est plus agréable de le faire avec deux bouteilles. Donc, simplement, ici, on va prendre notre pack d'eau. Et on va faire petit saut latéral. Hop, on pousse un. Petit saut latéral. Tac, on pousse un. Ok. Pour la simplification de celui-là, simplement, enlever la pression. Ok. On garde nos bouteilles et notre pack d'eau. On vient faire un décalage. On pousse un. Décalage. Hop, on pousse un. En poussant bien aussi avec les jambes. Ok. Il n'y a pas que le haut qui pousse. Hein. Donc, là, on fléchit un peu. On pousse. Ok. Et puis voilà. Donc du coup, si vous êtes chaud, on attaque dans 10 secondes. On attaque par le gainage écarté serré. Allez. Attention. Et top, c'est parti. 1, 2. Et là, hop, on laisse tourner. Ouh, on stabilise bien. Là, 1, 2, hop. On laisse tourner, on stabilise. Hop. Et là, 1, 2. Là, qui s'enchaîne. Alors vraiment, voilà, on va pas trop vite. On reste bien gainé. Bien gainé sur les abdos, bien solide sur les épaules. Hop. Là vraiment, hop. Allez, de gainage, de stabilité. Allez. Voilà. Hop, hop. On y est presque. Et top. Allez, vous pouvez switcher. Donc là, on repart. Avec nos bouteilles et nos packs d'eau, et là, petit saut, hop, ça pousse. Hop, et on envoie fort. Allez, comme ça. Tac, hop, et on envoie. Allez. Ok. On maintient. Là. Allez, encore, 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 encore. On s'accroche, on est presque. 5 secondes. Et top. On peut venir souffler. Tranquille. On se prend nos 30 secondes de récup. Donc là, gainage écarté serré. On vient tourner. C'est vraiment un travail aussi de posture, de stabilité qu'on peut retrouver après dans différents exos. Par exemple, je pense au développé couché, à mon avis, ça aide vraiment après à fixer sur les épaules et à bien pousser. Ok? Allez, attention. Top, c'est parti. Allons-y. 1, 2, et là vraiment, voilà, il faut rester bien gainé, bien stable. Tac. Rien ne sert de faire les mouvements trop rapidement. Vraiment, le but c'est de les contrôler. Là, bien proprement. En plus de ça, plus on contrôle évidemment, plus ça vient travailler. Plus le mouvement est lent, plus ça travaille. Allez, et top. On vient switcher. Ça enchaîne. Ah, là, tac. Allez, on s'accroche. Allez, comme ça. Encore un peu. Il reste 10 secondes. Et top. On vient souffler. Tranquille. Bon. C'est très bien. Attention, il prend. On a fait la moitié. Ok. On reprend 10 secondes. Allez, vous êtes chaud. On va repartir sur le gainage écarté serré. Et top, c'est parti. 2, allez. Et alors, on contrôle. 1, 2, 3.
On essaye d'avoir l'épaule dans le fémur aligné avec bassin et pied. Là. Allez, encore. Tac. Là, on maintient ça. Ok. Et top. Allez, on est switché. Allons-y. Impulsion. Hop. Descente. Allez. Là. Allez. Et on s'accroche comme ça. Allez. On marche à chaque fois bien l'arrêt. Il reste un peu moins de 10 secondes. Allez. Et top. Ok. On peut venir souffler tranquille. Et ben on aura le dernier tour de ce bloc. Impeccable. Bon. Allez, dernière fois chaque exo. Attention. Et top, c'est parti. Allez. Allez, on maintient ça. On y est presque. Allez, on va le chercher, cet exercice. Allez, une dernière. Deux. Et top. Allez, on vient switcher. Tout de suite. Allez, on s'accroche. Là. Allez. Là, on va chercher encore. Ok. On y est presque. Allez. Et top. Vous pouvez souffler. Nickel. Eh ben, très bien. On se reprend. Plus un petit coup. Non, c'est pas fini. Il restera un dernier bloc. Allez, dernier bloc pour la route. Celui qui fait plaisir. Donc ça sera un tout petit. Alors, on partira donc sur un bloc de 4 minutes, ok? Sur du 15. Non, pas du 15-15. Du non-stop, ok? Donc avec deux exercices. Et deux exercices spéciaux. Alors déjà, on aura des jumping jacks avec les deux bouteilles ici. D'accord? Donc on part juste à peu près à hauteur d'épaule, ok? Pour donner un repère pour le départ. Les pieds écartés, et ensuite on vient resserrer, tac. Et ensuite, on forme des demi-arcs de cercle ici. Ok? Pareil, j'ai pris les petites parce que moi, personnellement, je trouve que c'est bien mieux pour rester fluide dans son mouvement. Ok? Avec les grosses, on n'arrive pas à les choper, d'accord? C'est chiant. Donc vraiment, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais juste que j'arrive à rester plus fluide et je préfère faire un exercice comme ça. Ok? Le deuxième exercice, ça sera allongé sur le tapis ici.
tête, donc abdos, on gardera la tête au sol, les mains au sol, d'accord, les bras pour qu'on s'équilibre un petit peu. Et là, en fait, on va simplement venir pousser vers le bas, on remonte vers le haut, on pousse, hop, et on remonte, ok. Et on fait une sorte de moulin comme ça, une sorte de pédalo, hop, on vient pousser et ramener, ok. Et puis voilà, on y voit vous. Simplement peut-être pour ceux qui ont les mal au dos sur les abdos, d'accord, poser les pieds au sol, ok, et ensuite on vient simplement ramener un petit peu, hop, en papillon, donc ici pied au sol, on ramène juste un petit peu au papillon comme ça, ok, voilà, si vraiment ça vous tire au bord du dos, mais normalement ça devrait aller. Allez, du coup, on part sur du non-stop, je mets juste mon timer. Comme ça vous laisse juste le temps de vous préparer. Là. Là. Bon. Tac, tac, tac. Allez. Vous êtes chaud? Prends le petit bouteille. On attaque sur le jumping jacks. Allez, attention. Et top, c'est parti. Allons-y. Donc là, tac. Vraiment. Des petits mouvements dynamiques. Allez, on s'accroche comme ça. Allez, encore. On maintient. On est presque. Et top. On va switcher. Donc là, on vient s'allonger. Et c'est parti. On pousse. Hop. Et on ramène vers le haut. On pousse vers le bas. Et on ramène vers le haut. Allez. Là, tout le temps bien serré sur les abdos. Voilà, vraiment, on ne se laisse pas aller. Ok. Allez. Et top. On vient switcher, allons-y. Allez. On tient ça, la deuxième minute, là. Vraiment, vous allez voir, ça passe assez rapidement les 4 minutes, finalement. Allez. Allez, il faut que ça chauffe un peu dans le mollet. Allez, top. On va switcher. Et là, hop, ça repart directement. Ok. Alors, on va se dynamique sur les épaules un petit peu élevées comme ça. Là, c'est vraiment un exercice complet. Allez. Allez, top. On va switcher. Hop, ça enchaîne tout de suite. Donc là, tac. Allez, on tient le bon bout. Hein. Allez, top. On switch les dernières minutes maintenant. Allez, c'est parti. Allez, encore. Encore. Voilà, on retient ça. Allez, nickel. On tient jusqu'au bout. Et top. On switch. Allez, ça enchaîne. Là, toujours. Hop, on vient pousser.
Nickel. Ok. Allez, on s'accroche. Là, on tire ça. Allez. Encore, 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 encore. Et ensuite, on va venir tester un peu votre mental. Allez. Est-ce que vous savez quoi? Et bien là, vous vous relevez. Oh, ça fait une minute supplémentaire. Allez, vous êtes chaud? Top, c'est parti, allons-y. Allez, c'est la minute bonus. Là, c'est gratuit. Allez, encore. Un moment, on voit fort. Et là, vous vous dites, ah non, quel salaud. Mais on l'a fait, on l'a fait. Il faut la faire. Allez. Qu'est-ce qu'une minute dans une vie? Allez, encore. Jusqu'au bout. On s'accroche. Allez, top. On vient switcher. Et ça enchaîne tout de suite. Là, je vous promets, c'est le 10 dernier. Allez, c'est le dernier. Ok. Ça. Ok. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Jusqu'au bout. On s'accroche. Et top. Oh, bien relâché. Et ben voilà. Là, c'est terminé. Super. J'espère que vous avez fait la dernière minute. J'espère que vous êtes allé jusqu'au bout. Ok. Vraiment. Parce que c'est quand on se relâche, quand on se dit, oh, c'est bon, ça y est, c'est terminé. C'est dur de se remettre dedans. Je sais. Mais justement, hein, après, juste avant le week-end, comme ça, tac, c'est pas trop mal. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous mettre des petits pouces, d'accord, pour nous dire si vous avez aimé ou pas, évidemment. Ok, un petit commentaire pour nous dire s'il y avait des trucs qu'on pourrait améliorer éventuellement, que vous voulez, voilà, comme d'habitude. Donc, j'espère que ça vous a plu, passez un bon week-end, rattaquez bien ensuite la semaine, ok. De toute façon, nous, comme d'habitude, on vous tiendra un petit peu au courant sur les réseaux sociaux. Ok, donc pour le moment, je vous dis passez une excellente journée, une excellente soirée et à très vite. Allez.